Lisons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Je vais lire et quand j'ai fini de lire, tu répètes dans ta Bible. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Allons-y chacun dans sa Bible. Allons-y ensemble. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Dieu, notre Dieu, notre Père, c'est lui qui a créé toutes choses. Tu vas bénir le Seigneur. Cinq personnes d'abord. Vous voyez, c'est merveilleux non, de bénir le Seigneur le matin, de vous dire Amen. On nous a dit hier, quand tu fais le sport, ça te donne une longue vie. Cinq personnes vont bénir le Seigneur pour les choses que Dieu a créées dans les cieux. Toutes les choses dans les cieux. Une seule chose. L'autre voisin prie pour une seule chose. Si quelqu'un a prié pour une chose, ne bénis pas le Seigneur pour la même chose. Par exemple, Seigneur, c'est toi qui as créé les nuages. Et ce n'est pas ta volonté qu'ils existent et qu'ils ont été créés. Amen. Il y a des personnes qui vont bénir le Seigneur pour des choses qu'il a créées sur la terre. Notre Père, te dit infiniment merci. De ce que Père éternel, ce n'est pas ta volonté que le sol a été créé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je vais te dire merci. Ce n'est pas ta volonté que tu as créé les hommes. Et ce n'est pas ta volonté que les hommes existent. Amen. Et qu'ils ont été créés. Amen. Amen. Ok, vas-y. Vas-y. Sur la terre. Seigneur, c'est toi qui as créé les montagnes. Alléluia. Et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent. Et qu'elles ont été créées. Et ce n'est pas ta volonté qu'elles ont été créées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, c'est toi qui as créé le sable. Mm-hmm. Et ce n'est pas ta volonté que le sable existe. Au nom et de Jésus-Christ. Qu'il a été créé. Qu'il a été créé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, les montagnes. Quelqu'un pour bénir, c'est pour les montagnes. Seigneur, c'est toi qui as créé ces montagnes. Et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent. Et qu'elles ont été créées. Et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Alléluia. Père, te remercie. Parce que c'est toi qui as créé les baleines. Et ta part d'apprendre qu'elle existe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis Seigneur. Nous proclamons, que c'est toi qui as créé les hommes. Et c'est toi qui as créé les hommes. C'est pas ta volonté que les hommes existent et qu'ils ont été créés. C'est toi qui as créé les femmes. C'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Vous qui êtes sur les mains, rejoignez-nous ici. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes venus en retard, mais vous êtes bénis. Donc, venez ici. Tu viens avec ta Bible. Tu as béni le Seigneur bien-aimé. Dis à Dieu, Seigneur, prends ta Bible encore. Si tu viens, viens vite. Prends ta Bible. Tu viens vite, 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 vite. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Viens avec ta Bible et nous allons proclamer ceci ensemble. Parce qu'effectivement, notre Dieu est digne de recevoir ta louange, dis Amen. Amen. De recevoir de toi l'honneur, dis Amen. Amen. De recevoir de toi la louange, dis Amen. Amen. Si tu ne le loues pas, regarde la verdure, regarde le ciel. Tout à l'heure, il faisait sombre. Des petites gouttelettes tombaient, mais elles se sont arrêtées par la volonté de notre merveilleux Jésus. Amen. Amen. Regarde ces nuages de l'autre côté. On peut dire qu'il va pleuvoir dans bientôt. Alléluia.
Regarde le sable, je le fais comme ça. C'est pas la volonté de l'Éternel. Ailleurs, c'est la boue. Ailleurs, c'est les cailloux. Notre Dieu est digne. Alléluia. Avec ta Bible, allons-y ensemble. Tu es digne. Allons-y. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Maintenant, tu vas enlever à la place de toutes choses, tu vas mettre toi-même. Au-dessus de tout ce que Dieu a créé, il a créé l'homme. Donc, à la place de toutes choses, tu vas mettre, car tu as créé Maritala. Ne mets pas mon nom, hein. Tu mets toi ton nom. Et c'est par ta volonté que Maritala existe et qu'elle a été créée. Alléluia. Nous attendons ceux qui sont derrière, pardonnez, venez rapidement. Tu prends ta Bible dans Apocalypse chapitre 4, le verset 11. On attend les frères qui viennent d'arriver. J'ai dit donc, on ne va pas proclamer comme au début. Tu mets toi ton nom. Car tu as créé. Pam, 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 pam. Et c'est par ta volonté qu'il existe pour les garçons, qu'elle existe pour les femmes et qu'elle a été créée. Oui, vous êtes avec nous, venez vite, 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 vite. Joignez-vous à nous pour célébrer celui qui a fait toutes choses. Allons-y. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé Maritala. Et ce n'est pas ta volonté que Maritala existe et qu'elle a été créée. Amen. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Gloire à Dieu. Et non seulement il t'a créé, mais il t'a sauvé. Quelle grâce! Il t'a pas créé et puis t'a laissé dans la nature comme les chèvres, comme les poules, comme les boucs, comme les poissons dans la mer. Il t'a sauvé. Dis, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Lisons Jean 3, verset 16. Quelqu'un va lire Jean 3, verset 16. Non, je vais lire et après, nous allons proclamer. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. 10 personnes vont s'aligner là et proclamer. Car Dieu a tant aimé le 10. Si tu es la 11e personne, tu te mets de côté. Allons-y rapidement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Tout le monde, allons-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
chantons le 149 dans Christ est vainqueur. Et 140 dans RMS. Quel sort merveilleux d'être sauvé. Chantons. Quel sort merveilleux d'être sauvé, sauvé par le sang de l'agneau, sauvé par sa grâce infinie, à jamais un enfant de Dieu, sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu, sauvé, sauvé, quelle joie ineffable. Des mots ne peuvent l'exprimer, des mots ne peuvent l'exprimer. Je sais que sa douce présence m'accompagnera à jamais. M'accompagnera à jamais. Oh, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Sauvé par le sang. Oh, sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. À jamais. Sauveur, je pense à mon sauveur sublime. Le louant d'un cœur enchanté, le louant d'un cœur enchanté. Je chante, je ne peux pas me taire. Je chante, je ne peux pas me taire. Oh, son amour m'a rendu heureux. Oh, je suis sauvé. Dernier couplet, avec plus de vie, de force. Alléluia. Amen. Tu verras Jésus dans sa gloire. Dis amen. Amen. Tu le verras sur son trône. Dis amen. Amen. Oh, oh oui, je sais, je verrai dans sa gloire. Le roi qui règne. Le roi. Et qui par sa pleine victoire me renfort de garder si loin. Me renfort de garder. Oh, je suis sauvé. Sauvé. Je suis sauvé. Sauvé. Alléluia. Sauvé par le sang de l'agneau. Oh, oh, oh. Sauvé. Je suis sauvé. Sauvé. Alléluia. À jamais rien enfant de Dieu. Sauvé nous sommes sauvés par le sang.
celui qui t'a sauvé. Tu nous as sauvés, dans ta grâce tu nous as cherchés, tu nous as trouvés. Oh, merveilleux Sauveur, qui ne tient pas compte des fautes, qui ne tient pas compte des iniquités, qui pardonne, qui pardonne, qui efface les conséquences du péché. Oh Jésus, nous voulons te louer ce matin, nous voulons t'adorer ce matin, nous voulons te célébrer ce matin. Avec lui, dis-lui, Sauveur. Jésus de Nazareth, il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, il est mon sauveur. Je suis restauré. J'appartiens au Seigneur. Je suis libre. Yeah.
cette position, tu vas lire Philippiens 1, verset 6. Celui qui t'a sauvé, il est fidèle et il te conduira jusqu'au bout. Après avoir lu, nous supplions la sœur Gracienne. Elle va venir nous chanter. Courage, tu arriveras à bon port. Alléluia. Amen. Celui qui t'a sauvé, il est avec toi. Il est ton compagnon. Et tu dois avoir cette assurance parce qu'il t'a sorti, je ne sais pas de quelles ténèbres. Les ténèbres de l'adultère, les ténèbres de la drogue, les ténèbres des commérages, des avortements. Et il t'a mis là où tu es. Il te conduira jusqu'au bout. Donc, nous allons lire. Lis d'abord cela pour toi-même. Tu lis avec ton voisin, tu lis pour lui, il lit pour toi. Philippiens chapitre 1, le verset 6 dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Tu dis pour ton voisin, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en la sœur Agnès cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, lis pour ton voisin, il lit pour toi. Allons-y, pardon. Gloire à Dieu. Tu vas dire maintenant, je suis persuadé et je proclame que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Allons-y. Je suis persuadé et je proclame que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère bien-aimé, Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu te débrouilles. Il ne t'a pas sauvé pour te laisser seul. Il est avec toi. Il est en toi. Il marche avec toi. Il te conduira jusqu'au bout. Quelles que soient tes craintes, quelles que soient tes hésitations, quels que soient tes échecs, quel que soit ton passé noir, quel que soit ce que tu as traversé, il te conduira jusqu'au bout, à bon port. Alléluia. Sœur Gracienne, s'il te plaît. Courage. C'est l'un des chants que je chante à tout moment. Je le chante en larmes. Je le chante en joie. Je le chante partout. Tu arriveras à bon port. Courage, courage, courage. Alléluia. Oui, vas-y. Commence à bouger les pieds comme ça. Alléluia. Hey! Courage à toi, maman. Dis amen. À toi, papa, courage. À toi, ma soeur. À toi, mon frère, courage. Alléluia. Courage, courage, tu y arriveras. Courage, courage, à bon port. Je te dis courage, courage, tu y arriveras. Courage, à la terre promise, c'est tellement haut. Je te dis courage, courage, tu y arriveras. À la terre promise, courage. Oh, je te dis courage, courage. Hey!
te sens découragé. Je reprends. Même si tu passes 40 ans dans le désert, même si dans cet endroit il y a que poussière, si tu te sens découragé, appelle Dieu. Je te dis courage. Tu arriveras, tu arriveras, tu arriveras, tu arriveras.
Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. À Jésus toute la gloire. Nous sommes plus que vainqueurs. À Jésus toute la gloire. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu es, tu es. Tu es plus que vainqueur. À Jésus toute la gloire. Nous sommes plus que vainqueurs. À Jésus toute la gloire. Tu es plus que vainqueur. À Jésus toute la gloire. Nous sommes plus que vainqueurs. À Jésus toute la gloire. Nous sommes plus que vainqueurs. À Jésus toute la gloire. Nous sommes plus que vainqueurs. À Jésus toute la gloire. Tu es plus que vainqueur. Vainqueur, à Jésus toute la gloire, parce que c'est lui, c'est par lui et pour lui. Alléluia. Mais où est ton voisin? Où est ton voisin? Où est ton voisin? À Jésus toute la gloire, tu es plus que vainqueur. À Jésus toute la gloire, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Quels que soient les problèmes, tu es plus que vainqueur. Quels que soient les obstacles, tu es plus que vainqueur. À Jésus toute la gloire, tu es plus que vainqueur. Quel que soit le prix à payer, tu es plus que vainqueur. Quel que soit le prix à payer, tu es plus que vainqueur. C'est lui qui renouvelle. Tu es plus que vainqueur. C'est lui qui fortifie.